Salut tout le monde, c'est Camille pour le 56e épisode de Mass Effect 3, il est 4h04 du matin. Je continue, j'arrive pas à m'arrêter toujours. Hein. Quand je suis parti. Ah voilà. Module piratage. Ah mais flûte. Manquant. Ah d'accord, module. Sujet désactivé, c'est tu. Ok, sorti. Ok. J'attendais à ce que je fasse un piratage manuel, mais même pas. Ok. Bon. Je sais pas ce qu'il faut faire. On a l'épisode 56, hein, c'est ça, ouais. Putain, c'est un truc de ouf, cet endroit-là. Accès à la tour, accordé. Merci. Ouais, d'accord, accordé, quoi. Vous avez entendu, on s'y apprête. Oh vache. Shepard. Commandant Shepard, vous arrivez pile à temps. Baissez votre arme. Non. Oriana vient de me rater. L'influence néfaste de sa sœur, sans doute. Dommage qu'elle vous ait raté. Wake Eileng. Je ne sais pas. Parti. Il a pris mes recherches et nous a abandonnés à notre sort. Miranda, vous m'entendez? Non, mais sur son coup. Vous êtes assez prêts, tous les deux. Kai Leng n'a pas fini le travail, mais moi je le ferai. C'est terminé. Au contraire, maintenant que les moissonneurs ne sont plus un problème, il y a une issue. Laissez-la partir. Shepard, ne le laissez pas l'emmener. Shepard, s'il vous plaît. Je vous pourchasserai. Fuyez avec elle et vous mourrez. Libérez-la et vous vivrez peut-être. Je ne vous ai rien fait. Ça n'a rien à voir. Libérez-la et partez, je ne le répéterai pas. Allez, je tire une balle dans la tête, là. Très bien. Prenez-la. Mais je sors d'ici vivant, ok? Ah bah non. Je ne suis pas d'accord. Il ne t'a rien fait? Tu vas bien? Tout va bien, Ori. Tu es sauvée maintenant. Ça va. C'est juste... Je veux partir d'ici. On va sortir. Oui. Dans une minute, d'accord? Ouais, une bonne grosse minute, hein. Commandant Shepard, c'est drôle de vous trouver ici. On a eu de la chance. Tout va bien. Ça ira, vraiment. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Merci d'être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? J'ai vite trouvé mon père, une fois que j'étais sûre qu'il travaillait pour l'homme trouble. Je n'ai eu qu'à suivre ses mensonges. Quand j'ai vu à quoi servait cet endroit, je n'ai pas pu laisser passer ça. Bien sûr. Les choses ont mal tourné quand les moissonneurs, puis Kai Leng sont arrivés. Vous avez survécu, c'est pas donné à tout le monde. Quand vous m'avez dit qu'il était impliqué, j'ai pris quelques précautions. Qui m'ont sûrement sauvé la vie. Ah. Quoi est-ce que vous pensez? J'aurais pu vous aider? Miranda, vous avez pris de gros risques. Vous auriez dû me prévenir. Vous avez une guerre à gagner, Shepard. Ça, c'était mon combat. Et il n'a que trop duré. Enfin, je suis quand même venu t'aider au final. Vous l'avez fait, c'est fini. Oui. J'aurais juste aimé épargner tout ça à ma sœur. Et pour votre père? Je suis contente qu'il ne soit plus là. Désolée d'être aussi froide. Non, je comprends. C'est enfin terminé. Pour nous deux. On va pouvoir souffler. Oui, en effet. On en est où ici? On peut tirer des infos de cet endroit? Les données de recherche sont introuvables. Mais j'ai des infos sur le complexe, comme le transit des navettes et Cerberus. Ce n'est pas une piste directe, mais c'est quelque chose à analyser. Récupérez le contenu de cet ordinateur, on le ramène pour analyse. Je peux faire mieux que ça. Quoi? Avant que Kai Leng ne file, j'ai posé un détecteur sur lui. En faisant vite, vous pourrez le suivre jusqu'à l'homme trouble. Oh, j'ai... Un détecteur? Vous pensez vraiment à tout? Pas vraiment, mais... Personne n'est parfait. Merci Miranda.
C'est exactement ce qu'il nous fallait. Je me suis dit qu'une bonne nouvelle ne vous ferait pas de mal. En effet. Et pour vous deux, c'est quoi la suite? La mettre à l'abri. Faire soigner mon égratignure. Ok, il faut que je poursuive ma tâche. Je vous contacterai bientôt, Shepard. Je l'espère. Viens, Henri. On est resté bien assez longtemps chez papa. Il faut mettre tout le monde au courant pour cet endroit. Brouillage des communications désactivé. Écoutez-moi, ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une base de Cerberus dirigée par mon père, Cortez, Henri Lawson. Passez nous chercher à la tour. Bien sûr. J'en ai assez de cet endroit. Truc de ouf. Je n'étais pas partisan de votre détour par le sanctuaire, commandant. Il y avait trop d'inconnus. Mais j'avais tort. Votre raid contre ce labo de Cerberus a été riche en révélations. Mais on ne s'attendait pas à ça. Tous ces réfugiés et toute cette boucherie, juste pour étudier l'endoctrinement. Il fallait fermer le sanctuaire, amiral. Ce qu'ils ont appris sur les moissonneurs vaut moins que ses vies. Ce sont des données utiles, commandant. Mais c'est vrai, c'était cher payé. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où se trouve l'homme trouble? Oui. On avait pris soin de placer un détecteur sur Kai Leng. Bien, ça nous donne une chance d'éliminer Cerberus de la partie. On est d'accord. Il faut s'occuper de Cerberus, puis des moissonneurs. Exactement. À quai terminé. Bon. Priorité QG de Cerberus. Ah, c'est cool ça, par contre. C'est quoi cette musique? Ressources de guerre mise à jour. Tiens, oui. Finance de l'Alliance, ok. T'as autre chose encore? Non. Alors. Force défense de la citadelle 49, flotte terminus. L'Alliance. Oh la vache! Sixième flotte de l'Alliance. Oh là. Ressources militaires. Le Normandie. Ouais, évidemment, ça c'est 145! Oh, juste avec nous? Diana 5. Et 145, c'est nous les plus puissants de l'Alliance, mais de loin. 90 après pour la première et la troisième flotte. La 6 et la 5 aussi. On domine, ok. Pas mal. Les Asari. Ah, et ça a réduit les Asari là par contre. Deuxième flotte. Ok, bon. Tiens, je sais plus les extraterrestres, c'est 200. La flotte Terminus, elle est hyper puissante. Les mercenaires des pirates, ok. Les mercenaires des berserkers ont été comparés à des inondations, des incendies. Ok. C'est violent. Le creuset, tiens, d'accord. Carburant amélioré pour le vaisseau spatial. Nickel. Ex-Cerberus. On a. Pas mal. Brinko, Jacob Taylor. Taylor. Et Miranda Lawson. Ok, 25. Et l'escadron. Ouais. Pff, terrible. Les Krogan. Alors eux. 300 le clan. Pff, terrible. Grunt, c'est vrai. Une note rive. Ok. Et le clan, du coup, voilà, bah, rien que deux clans, quoi, ils sont 300-300. Les Turiens, on a quoi? 135, c'est... on est toujours plus puissant qu'une flotte, hein. Corps des Turiens. Et les Cariens, qu'est-ce qu'ils proposent? Voilà, flotte lourde carienne, 275. Et les patrouilleurs, 250. Oh, la vache. Une flotte civile, en plus. Flotte civile, ils sont plus puissants que nous. Super. Carte de la guerre, donc ça va être rouge, évidemment, comme d'hab. Ok, donc en ressources, on a le minimum, j'aimerais bien savoir un peu plus. C'est carrément bien, hein. Donc là on est mid-épisode, il nous reste 10 minutes. Je vais juste aller voir si Liara va mieux. Et puis... qui c'est que ça intéressait Commandant, on dirait que Tali vit mal les événements d'Horizon. Ah. Elle est dans le salon, si vous voulez passer la voir. Bon bah voilà, c'est Tali dans le salon. Le salon, c'est où? Passerelle au pont.
le salon 7. D'accord, c'est là. Ok, très bien. Si c'est quoi ? La baie d'observation. Enfin, genre une chance sur deux, du coup, je vais merder à chaque fois. Le pont. De toute façon, je voulais y aller pour aller voir Lyra. Ah bah c'est du côté de Lyra en plus. C'est par la... Ouais, je me comprends. Mais... À votre service. Yo. Et Miranda ? Elle s'en remettra bien. Ça ne m'étonne pas. Miranda est une femme déterminée. Ouais, elle s'en remet bien. Je suis contente qu'elle s'en sorte. Merci d'être venue me voir. Je t'en prie. Bon, donc c'est de... ça va être là, du coup. Bon, je vais me planter, évidemment. Ah non, je ne suis pas planté. Je parle un petit verre ? Ouais. À la mémoire de Miranda. Enfin... Comment vous faites pour être bourré ? Je fais attention. C'est de l'eau de vie turienne, filtrée trois fois, puis insérée dans ma combinaison par un conduit d'entrée d'urgence. Dali, c'est une paille. Un conduit d'entrée d'urgence. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à le rentrer. Ça doit vouloir dire que ça marche. Ouais. Elle était si dure. Comment Jack l'appelait déjà ? La pom-pom girl de Cerberus ? Avec ses gènes parfaits, ses grands airs. Et... pourtant, elle l'a fait. Elle a arrêté son père. Ouais, normal. Je me rendais pas compte que ce serait aussi dur pour vous. Désolée. Je sais que ce doit être plus dur pour vous. Vous étiez... proche. Oh oui. Ouais. Elle a fait tout ça pour arrêter son père. Elle ne lui a jamais cédé. Elle ne s'est jamais trahie pour lui. Ouais. Bon bah écoute, c'est sympa d'avoir discuté avec toi. On va faire autre chose, hein. On va retourner sur la... dans la... non. Dans les... dans mes quartiers avant. Enfin, on va dans nos quartiers. Au rapport. Mon commandant. Mon escouade défend toujours le réacteur sur Sion. Les moissonneurs semblent s'entêter à le reprendre. Tant que je monterai la garde, ils pourront se brosser. Nous tiendrons le fort. Capitaine Lyra Riley. Ok, bah c'est cool. Il y a quand même pas mal de bateaux là. Ok. Et moi, Hamster, il est où en fait? Je sais pas, on s'en fout. Alors, c'est parti pour la passerelle. On va changer. Bonjour. L'Alliance a lancé un avertissement à propos du sanctuaire. Les enfoirés de Cerberus. Horizon, c'était chez moi. Dites-moi juste que vous allez éliminer Cerberus. Ouais. Cerberus est déjà mort. Mais ils ne le savent pas encore. Ouais. Et quand leur base ne sera plus qu'un tas de décombres fumants, souvenez-vous que nous les avons trouvés grâce à vous. Merci. Ok, c'est cool. Alors, du coup, on va trouver... Horizon, quitter l'orbite, oui. Oh, ça commence à être dur. 4h20. Centre de com. Ah, attaquer le... Oh. Oh putain. Et dire que je vais rejouer demain, c'est pas possible. Je suis claqué. Il va falloir que j'arrête un moment. Il me reste 7 minutes d'épisode. Large. Vache. Juste, je fais un peu le tour. Putain, il y a un putain de soleil là. Attaque de la base de l'homme trou. Putain, il 5 minutes. Ceux qui veulent lire. Recommençons l'idée. La taille et la forme de la station suggèrent que de nombreux vaisseaux pourraient s'y amarrer. Arrimé. Oui, c'est pas la mer. Donc on n'amarre pas. Mais une prise de mesure exacte demanderait des scans intensifs qui pourraient trahir la présence d'un mendiant étant donné les enjeux, ce n'est pas recommandé. Eh ben, go, hein. Shepard, vos infos semblent bonnes. Les flottes sont prêtes à partir. Mais...
Dès que nous nous attaquerons à Cerberus, les moissonneurs s'en rendront très vite compte. Et le creuset. Prêt, sauf le catalyseur. On ne pourra pas cacher les vaisseaux qu'on lancera contre Cerberus. Ils auraient peut-être dû faire les communications. Quand on attaquera, le creuset sera vite en danger. En pratique, l'attaque contre Cerberus sera la première étape de notre assaut sur Terre. Si on trouve pas le catalyseur... Qu'est-ce qu'on fait si Cerberus n'a pas les infos qu'il nous faut, ou qu'il nous empêche de les avoir? On mène les flottes vers la Terre et on tente notre chance. Mais d'après vos infos, c'est Cerberus et l'homme trouble qui détiennent les informations que l'on cherche. Mmh. Et nous avons l'avantage de la surprise. Cerberus ne comprendra pas. Je dois m'assurer qu'on est prêt avant de partir. Ouais. Bien compris. Les flottes attendent votre signal. Ok. On va faire autre chose avant, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui va lancer la suite finale. L'amiral Hackett est disponible par vidéo. Ouais, ouais. Du coup, je voudrais couper les communications avant tout ça. Un truc avec les communications. Ce sera bientôt amiral, hein. Voilà. On va quitter l'orbite. Quitter, ouais. On reviendra plus tard. On va au relais. Nébuleuse de la tête de cheval. C'est ça la tête de cheval, tu vois. Ah, trop loin. On va faire le plein. Acheter du carburant. Ok. Bon, on est blindé en thune, alors... Ah, c'est... J'avais pas vu. Morana. Du coup, la citadelle, voilà. C'est ça que je voulais faire avant. Centre de communication. Et ouais, parce que si on lance l'assaut au final, on va peut-être avoir besoin d'autre chose. Junkro. Et là, on va sur Ontarom. Apparemment, c'était ça, Ontarom. Vas-y, atterrissons. Et je sais pas ce qu'on va y faire du coup là-bas. Idea déjà. Et Lyra, allez, vas-y. J'aime bien les équipes. Dommage qu'on puisse pas en prendre une plus, j'aurais pris les filles à chaque fois. Ça se confirme. 4 points, non. Il m'en faut 6. 6 points, ah oui, nickel. Et la 3, je ne peux pas. Et 3 points, il m'en faut 4. Super. Ok. Emparé d'un de nos centres de transmission secrets. Toutes les campagnes de ce théâtre d'opération reposent sur les informations fournies par cette parabole. Que savons-nous? Nous recevons des informations d'une technicienne qui a survécu à l'attaque, Grace Sato. Elle est cachée dans un bunker de sécurité hors du site. Une civile? Oui, je vous la transfère. Mademoiselle Sato, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je reste cachée, mais il n'y a plus que moi. Ils essaient de s'introduire dans nos systèmes pour accéder au protocole d'opération de l'Alliance. Je suis leur activité, mais il faut finir par me trouver tôt ou tard. Tenez bon, on arrive bientôt. Oui. Oui, commandant. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est la seule personne qui puisse vous aider. Oui, ça ira. Ce réseau renferme de précieuses informations, commandant. Je m'en occupe, amiral. Très bien. Hackett terminé. Déjà ça commence. Oh putain, j'ai eu. Mademoiselle Sato, on a atterri. Vous pouvez nous éclairer? Ils essaient de s'emparer de 3 points d'accès capitaux. Je mets à jour votre carte avec l'emplacement du terminal qu'ils sont plus susceptibles de pirater. On va les empêcher de s'introduire. Comme ça, ils sont assez faciles à péter. Ça va, easy.
putain, c'est déjà terminé. Putain, c'est horrible en fait. Bon, je vais pas pouvoir enregistrer, je suppose. Je vais pas prendre les medipacks, mais. Ok, je vais aller là où vous venez. Désactivé. Commandant Shepard, des navettes de Cerberus sillonnent l'endroit. Je crois qu'ils me cherchent. Ils se servent de la radio pour localiser Sato. Oh non, comment on... Rien n'a changé. Envoyez-nous les prochaines coordonnées. Oui, commandant. Mise à jour des coordonnées. Ça fait trop peur. Ok. Ah, t'es là. Cool. Bon, je vais aller de l'autre côté. Je l'ai perdu là, ce qu'il faut que je trouve. Ah d'accord. Je suis passé à côté, j'avais pas vu. Bon, ça va être bon là. Ok. Mademoiselle Sato, répondez. Mademoiselle Sato, vous êtes là? Mademoiselle Sato doit croire que rompre le silence radio causera sa mort. Il nous faut les dernières coordonnées. Grace, écoutez-moi. On a besoin. Vous êtes effrayé. Vous ne vous êtes pas engagé pour ça, mais je suis là pour vous. Promis. Ok, commandant. Je vous envoie la dernière localisation. Mais si vous me trouvez à temps, faites vite. Pitié. Commandant, je crois que je peux aller vite la chercher. Bah go. Allez-y. Alors. Ah putain. Oh, ok, bon, on va y aller un peu plus en avant quand même. On va remonter. Parce que je suis un peu loin. On va rentrer dans la... Voilà. Des questions ? Ok. Cool. Commandant, ils ont presque forcé les portes. À l'aide. Je la couvre, commandant. Zone nettoyée. Je prends Mademoiselle Sato et je retourne au point d'évacuation. Bon boulot, lieutenant. Ok. Ah merde, je voulais couper l'épisode là, mais du coup c'est bon. Ah bah cool. Notre station de transmission est sécurisée. Les opérations dans le théâtre peuvent reprendre en toute sécurité. Ce n'était pas une mince affaire. Comment va Mademoiselle Sato? Elle a demandé à être mutée dans une station de l'Alliance près d'ici. Elle veut aider du mieux qu'elle peut. Bien. On a besoin de toute l'aide possible. Hackett, terminé.
cool. Bon. Finance. Ok. Je vais juste aller voir. Comment ça s'appelle? Bah, Lyra, forcément. On va essayer d'entretenir une relation. Hein. Même si c'est pas bien. Et Trainor après. Allez, allez, allez. Avance, avance. J'ai envie d'aller me coucher là. Ouais. Papapon. Oui, puisqu'il est quand même 4h30. Et là, comment ça, 4h04, ça fait 26 minutes. Hein. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Bonjour, Shepard. Bonjour, on va. C'est dit, on va au lit. Le temps du voyage. Bonjour, Shepard. Ah, bien. Tali Lyra. Putain, je me plante dans les prénoms à chaque fois. Tant pis. Allez, Lyra, à part des. Bonjour, Shepard. Ouais, bon, d'accord. Pas très loquace, hein. On aurait pu faire un câlin quand tu discutes, toi. Ah, tourne. Bon, tant pis. C'est super pas pratique, en fait. Et donc, on va aller à la passerelle. Commandant. Rien, d'accord. Bah, du coup... Elle va peut-être me remercier, non? Même pas, super. Non, c'est pas ça, je ne peux pas. Donc, on va faire une dernière chose qui est de réfléchir où on va aller pour le prochain épisode. Alors, les scans, j'en fais jamais, on est d'accord. On va à la citadelle. Il y a quoi, la citadelle, en fait? Pourquoi citadelle? Bon, on va se poser au moins la citadelle et puis on avise. Poser, on va aller sur le quai de l'Alliance. Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport? Zone résidentielle, présidium. Les ambassades, vas-y. Je dois aller aux ambassades. Oui, commandant. J'aime bien me faire... Ok. Bon, mec, toi là, j'ai rien fait pour ton peuple, je sais pas où il est. Ok, bon, on va s'arrêter là, hein, là-dessus. On va se mettre à côté. On va poser. Salut. Ouais, je passe devant. Non, non. Allez, bonjour, j'ai les tocs. Super, voilà, bon, on s'en fout. On va faire la sauvegarde 57, putain. J'ai commencé l'épisode 46, c'est ça. Donc ça nous fait, je sais pas combien, 40, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épisodes, bah oui, bon. J'aurais dit 11, oh, je sais plus compter, c'est bref, c'est dur à ce heure-là. Rendez-vous pour la suite, le prochain épisode, je ne sais pas quand, allez, ciao tout le monde. Ouh.